Haïtien from Sum, situation complètement dégénérée. Et m'te dis nous ça clairement, dossier assassinat avec Jean-Baptiste là, faut que nous suivions de près, pas pour te bourrer sous lit, pour qu'on ait une idée de ça qui passe. Eh bien, assassinat avec Jean-Baptiste là, Jean qui a essayé de faire nous comprendre, ni, hein, il passe exactement. Que des gens, tête bien placé sous épaules, qui ont fait des analyses sur le crime, et qui cherchent à comprendre la position de Jean-Baptiste sur scène politique dans le dernier temps, ça, comme si m'a dit qui se passait là. Et en plus tout, qui jan que oligarque corrompu yo, te wè Eric Jean-Baptiste qui rentre dans politique avec quantité millions de dollars américains ça quelqu'un dans qui propre, qui pas sale. Est-ce que vous comprenez? Eric Jean-Baptiste te gen en pile ennemi. Et c'est ennemi ça yo qui t'a fait ça nous capable reler une guerre froide ensemble avec elle. Et ben dans émission ça, jodi à la même qui c'est lundi 31 octobre 2022 ya, il faut bientôt pral wè plusieurs points ensemble avec yo. Et ça que m'a dit nous, nous devons comprendre si macaque qui installé la boule 12 là. À Paris ce macaque dans la boule 12, il pas fait comme ça comme ça. Oui, Toto Bolette occasionnel parce que Toto Bolette gagne pile gang en l'air cap volonté monde, cap tuer monde tout ça. Mais quelque part, le macaque débarque en l'air, est-ce que pas un groupe n'a qui récupérer ti macaque qui définitivement confortable dans la boule 12 là. Eh bien, tout point ça, vous pouvez le voir ensemble avec nous dans l'académie sur ça. Parce que assassinat, Eric Jean-Baptiste là, nous disons ça clairement. Moi, je garantis avec toute famille, mes amis, père dans l'auto, ou du moins Eric Jean-Baptiste, son dossier qui n'est pas rentré dans le tiroir. Même Jean Noël nous prend dossier assassinat président Jovenel Moïse là. Pour nous chercher la vérité, nous gourmet avec tout criminel dans le pays d'Haïti. Pour nous chercher la vérité, et bien, je garantis vous. Dossier Eric Jean-Baptiste là, nous ne comptons pas tout le détail sur les jours d'hier. Nous avons tout ça qui est passé dans l'assassinat ça. Yon joue quand même, il pas prend trop de temps. Il pas prend trop de temps parce que m'a pas menti dossier assassinat Jovenel Moïse là, ba nous faciliter pour nous mener enquête nous, pour nous comprendre ça qui passé, on sait des crimes qui fait dans pays d'Haïti et surtout dans dernier temps ça yo, moun ka fait dernier crime yo, moun ka fait toute qualité crime ça yo, tout monde connaît yo en dedans pays ya. Peuple haïtien, m'a dit nous bonjour, bonsoir tout le monde. Dépendamment de côté que l'heure, on tendez nous, on regarder nous encore une fois gens que nous connaît, c'est toujours un plaisir pour moi pour que ensemble avec nous. Ça vous me fait du bien. À chaque fois que je me connais, je vais venir partager un moment ensemble avec nous et que je me connais, nous allons réagir exactement à travers les commentaires. Alors, c'est là que nous allons dire tout ça que nous pensons. Eh bien oui, tout ça que nous comprenons, de ça qui dit dans l'académie Panoua, qui passe sur la plateforme Panoua, qui est la plateforme YouTube Info Bertoua. Parce que c'est clair que eh bien, nous entendons, nous comprenons, nous apprécions le travail. Et bien normalement, un signe d'appréciation, l'amour ça, que nous gagnons pour travail là, nous ka like émission tout d'abord, like vidéo, montrer le niveau l'amour que vous gagnez. Parce que chaque gagne dans nos capteurs de capteurs là, nous voulons un like, d'accord? Pas oublier petit pouce là, l'intéressant pour que nous baissions petit pouce là tout d'abord, le que nous attendons l'émission ça, intéressant. Et l'autre option, c'est faciliter l'autre ami, l'autre famille, participer ensemble avec vous dans le cadre de travail ça, parce que. Et ou même, si vous venez à coup avec la plateforme, ça, parce que n'a pas parlé la vérité, mais justement, c'est parce que vous avez des amis qui ne sont pas égoïstes du tout, qui te prennent l'émission, qui te partagent l'ensemble de sur le compte WhatsApp, sur le groupe WhatsApp, sur le compte Facebook, le groupe Facebook, tout ça, et qui te fassent, qui te permettent que ou même, vous êtes capable d'avoir accès avec la plateforme, ça, qui est la plateforme YouTube, InfoBetoa, qui est jugée comme plateforme qui défend la société haïtienne, nan, comme plateforme qui défend tout paysan, comme plateforme qui croit que faut que nous bataillons pour nous donner la vérité dans l'assassinat. Il y a un président de la République en fonction qu'un groupe criminel pour intérêt yo yo assassiné. Et bien pour toute raison ça yo, m'a remercier nous. M'a dit nous que la balague et nous pas regrette. Vraiment nous pas regrette. Nous m'ba nous garantir ça, nous pas regrette même pour une seconde. M'a dit nous que la balague. N'a pas avancé d'emblée peuple haïtien dans ça gien pour avec dossier assassinat Eric Jean-Baptiste et m'ba le fond flash ensemble avec nous dans position vite l'homme innocent actuellement là avec Joseph Félix Badjo. Son je me dis nous France LB pas jamais font déploiement après assassinat Eric Jean-Baptiste. N'a va comprendre ça dans l'académie ça. Stanley Lika fait une considération et que nous pral essayer et de comprendre ni dans l'académie ça. Lien intéressant pour que nous partager ensemble avec au peuple haïtien. Et parce que ça, li très très important pour que nous comprenne. Parce que ça qui a passé dans le pays là, li pas petit du tout et nous doué assumer responsabilité nous pour nous attaquer criminel yo. Dans dimension pour attaquer parce que ça qui a passé dans le pays là baba no menti c'est pas tête chargée pas gain mais cache l'ombre pas gain de vie pas gain de mourir et c'est on seul mourir gain et quelque soit gens ça y on mourir quand même et bien faut qu'on fait tout ça que on connaît pour que ou cher ou bataille pour que ou jeune la vérité dans série de dossiers dans le pays ça
Effectivement, peuple haïtien, Éric Jean-Baptiste, tu as des problèmes avec les gens dans la politique qui ne pas trop bien par rapport à la position politique. Assassinat, ça a montré clair que Éric Jean-Baptiste, c'était un élément gênant pour la classe politique haïtienne, la classe politique traditionnelle. Parce que depuis ces nègres qui ont fait politique active pendant 10 dernières années, ils n'ont pas parlé avec Éric Jean-Baptiste. Parce que Éric Jean-Baptiste rentre dans la politique, il vient candidat à la présidence, il fait campagne avec près de 5 millions de dollars américains, l'argent, et ça que le dit dans la station dans la capitale, il dit que c'est l'argent pour faire propre campagne. Ce n'est pas oligarque corrompu, ce n'est pas dans le secteur privé qui te finance la campagne, c'est l'argent personnel qui fait campagne. Il dit que Éric Jean-Baptiste a l'argent. Et dans l'élection qui a venu là, il a dépensé plus l'argent pour faire campagne parce que nous comptons qui a payé, c'est l'argent. Ok? Eh bien, Éric Jean-Baptiste vient d'un pile adversaire politique par rapport avec l'apparition dans la tête parti politique, ça a eu RDNP. Et la fond politique éclairée dans la tête parti. Ok? La fond politique éclairée dans la tête parti politique qui a eu RDNP. Qui s'est passé? Monsieur Vina fait essayer de faire une révolution dans la classe politique. Là, inviter des jeunes avec un parti politique qui était là déjà, avec des gens qui sont exactement. Dans le système politique PC sous CEA, ok? Par exemple, Ménard Maniga, tout ça, des gens qui n'ont pas de résultat du tout, mais monsieur prend parti, monsieur refait, réparer l'image parti. Effectivement, monsieur Jonan, pile jeune accompagné, il n'a pas oublié. Éric Jean-Baptiste, c'est un nègre, par rapport avec l'action sociale que le mené, il couvre tout pays. Tout pays en net, Éric Jean-Baptiste couvre tout pays en net. Par un côté dans le pays d'Haïti, ou pas capable de connaître Père éternel Loto. Ou capable de Éric Jean-Baptiste, vous connaissez Père éternel Loto. OK, ça dit que avec bolette ça qu'il gagne, il traverse tout pays ensemble avec elle, il fait action sociale et des monde dans tout pays en net qu'on est. Monsieur vinn une popularité énorme sur tout territoire national là, sur tout 27 750 km². Ça, il dérangeait les oligarques corrompus. Elle dérangeait les politiciens corrompus, les politiciens qui la sous scène politique là depuis 1986. Et Jean-Baptiste pas mal de support personne qui dans politique là activement. Il juste paraît, il décide pour l'entrer dans la politique là. Effectivement, la population a une façon qui est elle. Bien qu'il ait participé dans l'élection et qu'il n'est pas capable de capacité pour gagner l'élection. Hein. Mais effectivement, tout le monde est capable de voir son gros candidat. Son gros candidat, et un candidat qui propre tout ça. En pile, il y a des gens qui ont dit d'Éric Jean-Baptiste. Mais normalement, je me dis, monsieur, de rentrer dans la politique de l'Haïti, il y a des gens qui ont eu. Et pas de l'autre façon. Et effectivement, peuple haïtien, situation, hein, li dégénéré. Gang Timakak la, qui tue Éric Jean-Baptiste là, yo cite nou gang Timakak la fort avec yon responsable banque dans le pays d'Haïti. Édouard Bossan. Parce que Édouard Bossan, c'est un plus chef gang pour le moment dans le pays d'Haïti, d'accord? La vive dans le pays, hein, et puis lui-même l'a parlementé gang tout partout dans le pays. Il mette gang, gang iso village de Dieu, a travaillé pour lui. Ok? C'est lui même qui a parlementé gang ça. Et lui récupère gang Vite l'homme innocent, lui gagne contre le gang Katmaozo, et puis là, il met l'autre gang dans la zone Canaran pour faire bataille économique avec l'autre oligarque corrompu par Elio. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Peu pas ici, il considère comme une chose. Il ne va pas prendre pour le monde. Il prend comme si c'est eux-mêmes qui haïtiens. Le pays d'Haïti, c'est pour eux qui lient. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas gagner pour nous avec le pays d'Haïti. Nous sommes des esclaves qui nous sommes. Ils considèrent nous comme ça. Et bien nous-mêmes, qui comprennent ça. Nous connaissons les gens qui ne pile. Ils habitent dans les hôtels de Pétionville. Ils ne sont pas mettre en l'air. C'est nous-mêmes qui mettons pays, non. Effectivement, nous sommes obligés de dire les gens liés. C'est des criminels de notre qui ont été. Ils ne pas nous comme peuple. Nous te prenons dans le pays, nous t'acceptons que nous pour rentrer dans le pays. Nous te considérons comme moun. Considérons rentrer dans le pays comme moun. Mais je dis, ils ont même montré nous. Par rapport avec couleur, ils sont supérieurs, non. Et malheureusement, il y a des voyous, des criminels restent avec, qui sont politiques, qui décident pour faire toute bataille politique qui est brisée dans le pays. Au profit des oligarques corrompus, en détournant des peuples haïtiens, malheureusement, qui fait l'action de toute richesse pays dans le pays, pour faire nous chantage, pour maltraiter nous, mettre nous dans un grand goût total, dans la misère. Chaque grand haïtien au quotidien, la préveille, je dis, ça me mange, ça me boit le manger demain, je goûte au grand sel, je dis, qui ça m'a vu mettre ma langue demain si Dieu veut. Il y a limite complètement. Il réduit la capacité avec réflexion qui sont à manger. Automatiquement, comme si on a dit, on a un grand goût,
à trois ça qui peut pas ici vivre là. Et bien effectivement, on pas une pièce capacité pour réfléchir rien pour l'avenir ou du moins à long terme. Toute bagarre, toute réflexion, c'est de bagarre à court terme. Manger, l'offre de manger, qui s'est passé comme si ou gonfle corps, gaz dégagé dans un vaillou, ou gonfle ventre, et puis ça, ou mon coca de elle, et puis ça qui passe, yon invite une manifestation pour mille goud. Mille goud ça va ou du prends la rue ensemble avec elle, demain si Dieu veut, pour le boule caoutchouc. Al gonfle poumon, al gonfle en don avec son caoutchouc, demain si Dieu veut, comme si nous avons 4-5 ans pour faire toute qualité cancer. On garantit nous, dans 6-7 ans pour venir là, yo. Majorité jeune garçon qui est l'état militant, tout pour le faire cancer. Cancer dans foi. Qu'est-ce qu'on prend pourri? Parce que yo, franchement, yo boule caoutchouc trop. Vie saleté ça, bagay sale ça, mauvais odeur ça rentre dans yo trop. Côté liga compi yo. Le yo met toi boule pays ya. Yo petit yo madame yo à l'étranger. Yo pa jamais ça ka boule comme si le yo passe sur internet peut-être. Yo capable boue ou ba écrit l'Haïti qui caoutchouc ka boule. Mais yo met pa met petit yo gade bagay ça ka passer dans pays d'Haïti. Petit yo qui pour tourner dans pays ya pour venir contrôler business yo. Fais mon côté. Comptabiliser ça qui a passé dans le business. Yo. Et puis, continuer à faire des armes. Ça, c'est ça, ça papa, vous faites. Et continuer sous même lancer. Parce que c'est l'argent. Il y a quoi avec richesse. Yo. Ok? Quel que soit le monde qui envie de menacer l'intérêt, il a fait sang couler. Il a mangé. Il a oublié sous ces haïtiens, sous ces mettre ça. Eric Jean-Baptiste Moury, il y a plusieurs façons capable d'analyser pour comprendre. Premier élément, vous capable de dire. Sur le plan politique, comment on capable de comprendre l'assassinat d'Éric Jean-Baptiste? Économique, social, c'est trois contextes où capable d'analyser l'assassinat d'Éric Jean-Baptiste. Si nous avons commencé, normalement, avec le dossier politique, nous avons dit clairement qu'Éric Jean-Baptiste a fait apparition dans la politique là, avec quelques missions, et dans le dernier temps, avec quelques missions. Il était une position ça que nous pouvons permettre nous et vivre ensemble avec moi, tendre ensemble avec moi et que nous pouvons analyser ensemble avec moi parce qu'il est intéressant. D'accord? Il est intéressant pour que nous comprenions la position d'Éric Jean-Baptiste parce que nous pouvons faire nous comprendre là, faut que nous et être nous bien placés sous les épaules nous. Tout d'abord, comme nous connaissons nos familles, amis, plateformes YouTube et Fubeto, et nous pouvons comprendre. Et je ne vais pas mentir, ça qui passe, ce n'est pas petit du tout. Et que c'est mon cap tombé tribord pas bon dans pays là, c'est vrai qui grave. Et Éric Jean-Baptiste t'es une position à quel gain on va le permettre nous comprendre effectivement qui ça qui passait. Mais suite avec et déclaration ça que Éric Jean-Baptiste a fait qui dérangeait classe politique là, on va analyser effectivement pour une idée plus ou moins du crime ça qui fait dans le pays là. Éric Jean-Baptiste est toujours clair sous position, mais dans le dernier temps, il pas bon menti, c'était très amer contre le gouvernement en place là. Et parce que pas oublier, Éric Jean-Baptiste pèse un gros poids dans la balance là. Et il n'y a pas besoin de monde sérieux, de monde honnête dans la politique dans le pays. Il n'y a pas besoin de vivre dans le pays. Il fait tout ça que vous connaissez pour vous faire courir quitter le pays. Parce que vous bataille pour ça même. Ok? Et bien, entendez, avec un pile intérêt, Éric Jean-Baptiste qui t'a fait intervention parce que nous t'ai fait vivre en bagaille, mais sauf que nous avons un gros. Surprise pour nous, nous allons vivre ça ensemble avec dans l'émission. Entendez, intervention avec Jean-Baptiste là, et puis nous allons porter bourré pour nous. Parce que ça a réglé exactement pour te bourré. Éric Jean-Baptiste. Défendre tête nous, nous former tête nous pour nous apprendre des gestes de self-defense. Défendre tête nous, nous faire solidarité entre nous pour nous pour coller ensemble avec l'autre. Défendre tête nous la nuit pour nous quartier nous, les nous tendons briller, mais tout le monde bat ténèbres, le monde qui gagne moyen légal que la Constitution permet de gagner la caillou, tant qu'on revolver que la Constitution permet à Haïtiens de gagner posséder la limite la caillou, et mais défendre voisins qui beaucoup trop là. Parce que yo prend moun devant là, yo prend moun derrière là, yo prend moun à droite ou yo prend moun à gauche ou le pa gen moun nan kosé ou nan mitan, y a marché sou ou. Mais vinn di ou, faut que nous parler pour nous sortir dans trou côté nous hier. Éric Jean-Baptiste, gen position ça. Nan tête parti politique RDNP de Leslie François Maniga, Milord Maniga, du professeur, Éric Jean-Baptiste son équipe bourré avec compétence, capacité tout ça. En fait, il a l'argent là-même, il n'a pas demandé sponsor.
D'accord? C'est un bagaille qui dominait l'oligarque corrompu. Position Yves Jean-Baptiste, avec moyen qu'il gagne la main, moyen qu'il travaille. Et effectivement, après-midi, on a gagné Stanley Lucas, dans l'académie ça qui est sur la plateforme Panouan, qui passe sur la plateforme YouTube, il faut mettre on a gagné Stanley Lucas, je te dis, ma fait un rappel là. Et nous mettons préparé, non? C'est Stanley Lucas, on va être tête chargée, après-midi, la même. C'est des gros causés. Eh bien, peuple haïtien, Yves Jean-Baptiste, ça les doit tomber. La continuer éclairer antenne population et des populations comprennent et qu'à les yeux peuple ça après assassinat de Jovenel Moïse ça fait font réforme ça fait éducation politique population ça va être grave notre politique pas capable monsieur bien on continue tendre avec un pile intérêt et puis n'a pas capable cerner effectivement ça que me parle dit nous en facile en avance. Parti ça concerne la sécurité, mais pour rentrer là-dedans, nous avons élaboré, nous avons retourné là-dedans pour nous rentrer petit crasse plus en détail. Nous avons retourné sur ce que nous parlons, ou utiliser des métaphores, des images, et de nous comprendre, et de public la comprendre. C'est un code qui est en cours, c'est tout fait, tout fait. C'est des gens qui, pour me répéter le mot, qui ont fait gros cob, qui ont un gros trafic, des âmes, etc. En avance toujours, excusez. Journaliste qui a parlé là, il est Robertson Alphonse, ok? Il fait interview ça avec Jean-Baptiste. 28, alors 25 octobre qui se passe là, il a vu des balles sur le journaliste là dans le 40B, ok? 28 octobre, il a assassiné Eric Jean-Baptiste. Ça pour comprendre, à comprendre en avance. Nous, ça, on dit, il faut que nous parlions, il faut que nous constituions masse critique là, qui donc, peuple qui a souffert. Comment on va retirer? C'est un chit à botte pour nous retirer ou bien est-ce que nous prenons notre dynamique. L'histoire montre que c'est l'apport de force qui permet de inverser des situations intolérables pour la population. Comment vous voyez, Jean-Baptiste? D'abord, pour nous arriver à un résultat, il faut un plan. Très bien. On ne peut pas avancer avec le V et puis sans plan comme ça, et puis on ne peut pas avancer. Dans le fond, nous parlons, ce sont les idées. Nous chita ensemble, nous avons marché dans tout le pays pour que nous bay ki sa ki l'idée yo comment yo wè problème yo capable résoudre et lor gagne des moun ki participer ki chita ki parler ki élaborer ensemble et ben ou pa pral fan pile effort non pour convaincre yo parce que yo té déjà nan conception et lor yo nan conception avec en pile l'idée que yo gagne y'a pote koza. Il y a porté cause là dans mobilisation, il y a porté cause là dans sensibilisation, il y a porté cause là dans action que y a mené parce que c'est bébé pa yo, c'est projet pa yo, c'est petite pa yo, y a approprié le, c'est pas un bagage qui a sorti en l'air qui va descendre vinn joine yo, c'est tout ensemble, c'est les jeunes qui composé une grande partie de population nous yo, c'est eux mêmes qui pral pote l'idée. C'est cultivateur nou yo, c'est planteur nou yo qui se laisse pour compte yo. C'est eux même qui pral pote l'idée. C'est policier nou yo qui vivent que sous carton, que les yo pon bal, que yo mouri, madame yo lagé, petite yo lagé. C'est eux même qui pral nan fok nou pale, qui pral di mais l'idée yo, mais comment yo wè nou kapab pote solution. Et dès lors, le sa réalisé, ou gen cette masse critique qui comprennent que le sursaut collectif obligé fait, et puis il y a levé campé ensemble. Et le levé campé ensemble, ça veut dire que ça, ça veut dire que Chaï Haïti a quelqu'un qui loue, il n'y a pas de loup pour épaules, nous encore, il y a capable de lever Chaï là. Vous comprenez mieux ce que vous expliquez maintenant, il faut que nous parlions. Président Lambert, sous troisième invitation à Premier ministre Henry pour dialoguer, pour joindre nos issues à la crise là. Et il dit hier dans la presse, clairement, hier, c'est la troisième invitation que M. Henri Boudé. Il dit clairement que M. Henri a un obstacle et, au dialogue. Et vous partagez lecture ça ou pas? Malheureusement, dans le pays, il y a des gens qui ont parlé pour consommation internationale. Mais ils pas croyé dans ce qu'ils disent. Pablié, nous avons entendu partie ça dans l'interview que Eric Jean-Baptiste a fait avec Robertson Alphonse qui a tenté d'assassiner avant hier là. OK, 25 octobre là et puis Jean-Baptiste malheureusement, il a assassiné le 28 octobre tout près la Kaili, dans Taraz, la boule 12. OK, n'a à partir de ça obtenu là,
n'a pas commencé à idée de composantes politiques qui assassinent Eric Baptiste. OK? Composantes politiques, et bien nous allons traverser sous table composantes économiques qui assassinent là. Parce que, de l'assassinat Eric Baptiste là, on peut voir est-ce qu'il y a trois composantes qui derrière. Est-ce que c'est une composante politique? Est-ce que c'est une composante économique? Ou du moins, est-ce que il y a des gens comme Sibladio qui sont soi-disant sous-société civile qui sont assassinés? Parce que nous connaissons qu'un pile de monde qui sont société civile là, qui sont en crime, qui sont en kidnapping, qui sont en assassinat. Et le preuve est clair, l'ambassade américaine coupe visa plusieurs dans eux parce qu'ils ont trafic d'armes, parce qu'ils ont tout le monde. En pile là-dedans, ils ont le monde qui est allié, l'église catholique, épiscopale d'Haïti. D'accord, c'est des criminels notoires. Nous allons chercher à comprendre ça à travers ça que Eric Matisse a permis de nous. Ils comprennent dans l'interview qu'il fait là. Mais effectivement, je vais faire aller. Et puis moi-même, j'ai analysé ça, j'ai fait des commentaires pour nous capables de comprendre mieux ce qui a passé. En avance, papa ici. Il dit que c'est un démocrate, au minimum, au tableau qu'on est, que et la démocratie, c'est un dialogue permanent. Que lui. Et là, pas d'accord avec le monde, c'est le ça même pour finir pour parler ensemble avec lui. Gabon Ultra. Gabon Ultra, c'est un tout nouveau produit qui sort dans le laboratoire. Il est là pour combattre les dysfonctionnements érectiles, ça veut dire pas camper tito. Il y a 15 capsules là-dedans. Il est fait pour prendre une capsule 30 minutes avant de faire bagage. Il y a eu ça, un dynamogène action rapide. Pas oublier qu'il est remplacé 3 produits Gabon parce qu'il est plus puissant. Ukraine Kouzam a marié, pas vrai? Mais pendant Kouzam a marié, président ukrainien, président russe, il y a un côté, oui, il y a des gens qui chita qui a parlé. Oui. Parce que pour la guerre a fini, même les gens qui ont capitulé, ils ont négocié ensemble avec vous. Donc il faut qu'ils parlent ensemble avec vous. Donc il y a des gens qui décident, qui sont dans la tête d'un pays aussi fragile, aussi divisé comme ça, je vous dis. Et qui décidait lui-même là un élu. Il y a 10 élus qui étaient que lui-même lui reconnaît que lui-même il a une certaine légitimité tout puisque il était invité au Sénat, il était venu donc Sénat légitime. Pas oublier Mabdjou et Jean-Baptiste son jeune garçon malheureusement 52 l'année. À 52 l'année, il a assassiné parce que nèg tête graine petite malheureuse, pas que doit gagner l'argent dans le pays, dans la figure oligarque corrompu. Parce que l'argent là, c'est dans la banque qui est liée dans le pays d'Haïti. Capital richesse, c'est dans la banque qui est liée. Ok? C'est-à-dire ça nous doit comprendre. Et vous prêt pour manger. Et m'a dit nous, actuellement dans le pays d'Haïti, il y a pile de monde, pile de gros monde qui est oligarque corrompu, ça va faire tout ça que vous connaissez pour débarrasser du pays. Exécuter. Yo. Avec phénomène insécurité ça, il y a tout profité tout en pile monde pour ça même seulement qui était comme monde qui gagne l'argent dans pays là. C'est position oligarque corrompu. M'espère guerrier arrive une balle en avancer. Donc monde ça, il levé, il décider ça fait troisième fois yo inviter sans pas bailler aucune explication parce que ça t'a arrivé tout que gagne des impondérables qui fait que pas capable là mais au moins il t'a fait un signe de vie, même par élégance républicaine. Faut le t'a fait ça. Donc, comme yo habitué, le yo en retard, mettez moun chit à ton yo, yo va amrele. Donc, moi, je pense que ça fait partie de tempérament yo, tout que le yo invité yo, yo pas dit rien du tout, mais pas oublier que politique, c'est quand même un rapport de force que lié. Et journée jodia, nous t'a souhaité tirer cette institution ça qui l'a. Li capable de rassembler lui-même autour de lui-même une masse critique qui pour forcer les gens qui veulent nous arrêter en silence, parler. Est-ce que move ça, c'est un mauvais move de la part du Premier ministre Henri? Est-ce qu'on qualifie le mépris? Est-ce que c'est un move risqué de s'enfermer, de rester dans sa tour d'ivoire avec les fragilités que vous venez d'évoquer? Pour voir son bar qui est capable de faire les gens griser. À l'aise, on voit l'on nègre boire un petit grog, et puis on comprend qu'il est tout puissant.
Effectivement. Et m'a soulevé pour nous. Juste à côté de ma parole là, France LB qui est actuel DG la police nationale d'Haïti, dans le pays d'Haïti, ok? Jusqu'à présent, pour avoir une pièce opération policière, Timakak trouvait qu'elle est tellement puissant parce que le background il y a des politiciens, le background il y a Edouard Bossan, il y a oligarque corrompu, effectivement, qui fait touiller Éric Jean-Baptiste là, et qui se touille président pays en tout, par une pièce opération policière qui fait contre gang Timakak là, dans la boule 12. Timakak obligé de sortir voice pour la défendre tête, il a fait audace, limite tout audace, d'ailleurs. Pour la dire par contre, il y a un assassinat, Éric Jean-Baptiste. Je ne trouve pas important, mal passé voir Timakak sur la plateforme. Mais sauf que je suis capable de dire que Timakak parle, il dit par contre, il y a un. Mais ça, il faut capable de caper. Moi-même, je dis ça honnêtement. Il y a plusieurs opérations qui ont été faites dans le pays. Les Léon Charles ont été faites là. Il y a François LB, Marie-Louise Gauthier, Calan Boucher, qui a glissé pour FIG, en bas de Léon Charles, pour pièce opération pas réussi. Mais de fait, Léon Charles devine tellement comprendre ça, il est obligé de créer task force dans la police. Il est obligé de créer clan PAL dans l'état-major. Il prend groupe PAL. Et puis le sénateur, il prend Vladimir Parizon. Que tout le monde a parlé mal de lui, il répare Vladimir Parizon dans l'institution. Et puis il fait une crédibilité. Pour faire la population, il placer confiance, évidemment, dans Vladimir Parizon. Et puis il y a une opération, il dit parler, ouvre une voix. Demain, si Dieu veut, Léon Charles débarque sur vous. Nous passons 400 marzo. 400 marzo, pas de jambes à l'aise comme ça. Nous passons ça. En 400 marzo, avec Léon Charles, 400 marzo, était à l'aise comme ça pour le déroger sous mon tabac. Non. Léon Charles, il a pris juste dans 10 mousseaux, dans la base de l'homme sans jour. Il a crasé les cailloux, démantelé les cailloux, fait bandit au plein. Il a dit à doué plein, bandit à l'aise. Le criminel n'est pas à l'aise. Mais pour le moment, qui s'est passé? Gang est à l'aise. Le criminel est à l'aise. Assassin est à l'aise. Parce que le patron est au pouvoir. Le patron est au pouvoir. Et pas oublié. Il doit bosser ça. Li nan do Ariel Henry. C'est lui même qui a manœuvré Ariel Henry. C'est lui même qui a dit Ariel Henry à gauche, à droite, Kebela. Edouard Bossan. Lavalas met une banque. Criminel notoire. Assassin. Je dis qu'il y a veillé des journalistes pour tout yon de pays. Mais organisé yon tout Éric Jean-Baptiste toujours. Parce qu'il y a débarrassé yon de nek sa. Qu'est-ce qui sorti dans le classement yon? N'oubliez ou du mas namas la qui a volume l'agence anamel. Il n'y a pas besoin de rester dans la politique là. Il a vu pas la vérité parce qu'il répond donc. Quand il y a bataille là, il y a besoin de Martin Moïse. Il faut battre Jovenel sortir pour battre Jovenel Martin Moïse pour tatouer. Bon, qui nous va être capable de passer là? C'est bien. On avance avec Éric Jean-Baptiste. Son bagage n'est pas bien et contrôler ça qui a viré tout. Nous croyons que l'équipe qui là, journée aujourd'hui, parce que chaque fois qu'on a parlé, il y a mis la sous capitaine. C'est très bien, mais c'est une équipe de football. Et dans l'équipe là, il y a un pile joué là-dedans. Et nous croyons que c'est le conseil des ministres qui prend décision. Ce n'est pas Ariel. Si le conseil des ministres dit Ariel, faut pour aller rencontrer avec le Sénat, Ariel t'a parlé. Donc pour vous, c'est la responsabilité de toute partie signataire, partie politique signataire de... Accord 11 ans qui vient des représentants du gouvernement, soit ils ont assumé ou bien ils n'ont pas assumé. Est-ce que ou pas qu'on ait les gagnants, conférences de presse, que un ministre a baillé ou un chef parti politique campé beaucoup de temps? Donc ils ont assumé le pouvoir. Donc c'est eux-mêmes qui disent à Ariel non, parler. C'est ensemble, ils sont équipés. Ariel n'a pas de responsabilité parce que c'est capitaine. Mais vous avez critiqué M. Moïse de son vivant, Jovenel Moïse de son vivant, pour pratiquement des bagailles à proposer M. Ariel Henry là, je dis là. C'est la roue du pouvoir qui tourne, c'est du déjà vu, c'est quelque chose d'imprégné de la pratique politique qui fait que nous, que l'histoire a tendance à se répéter. Eh bien, c'est une bonne chose, oui. Je ne peux pas ici, ouais, clair. Je dis à. J'ai nous calé. C'est le peuple qui est l'ouvre. Parce que bon portion de monde qui est toujours doux, c'est démocrate, il y aurait un peuple, il y aurait un ceci. Eh bien, je vous dis, c'est yo ce pouvoir. Effectivement. Pouvoir, c'est dans le même lieu. Mais le pouvoir, là, nous qui pris gaz à monter. Sans aucune explication. Mm-hmm. Sans aucun résultat. Là, sous pouvoir, nous, je vous dis, comment
insécurité a valé terrain. Donc, certains là, ils te promettent que depuis que je venais aller, un mois, deux mois, après, ils ont dit. C'est ce promis. Moi, ben, on tire, c'est ça. Pourquoi ça fait mon rire? C'est parce que depuis leur déclaration, ça a été fait. Tout le monde était loué que le kidnapping est avant tout politique. Mes paroles là, ça c'est une grande parole clé qui cause mettre kidnapping dans le pays, là. Mettre insécurité dans le pays, là. Dire qu'il faut qu'il débarrasse le pays de Jean-Baptiste. Et c'est une grande parole ça, que le président Jovenel Moïse te dit tout. L'État inauguré, barrage Marion à Marion, dans l'Odesse ou dans l'Odesse pays. Insécurité en guémet, kidnapping non. On dit parler politique. Et c'est clair, avec l'apparition fantôme 509, kidnapping est très politique. Pour forcer la population à faire manifestation pays loc, ils monétisent kidnapping non. Ils font appel au kidnapping non. On sait des chiffres, ils ont pour machin de pâté, on te prendre 10 millions de dollars, 15 millions, pour faire tout le monde tout dans le pays. Pour qu'il faut l'oxon, bloquer le pays. Qui ça fait ça? Classe politique. Je veux dire, côté à vivre, il y a un pays. Et puis nous, nous manchette, nous ne pouvons pas commencer à passer au prix green par green. Je veux dire, blanc, commencer à utiliser ça, parce que c'est des kidnappers qui sont là, c'est des assassins qui sont là. Mais moi, vivre avec les criminels là, dans la boule figou là, après tout le kidnapping qu'ils ont fait, après tout assassinat, après tout le crime qu'ils ont commis dans le pays, ou quitter toujours, je veux dire, c'est au cap dirigeant qui sont à attendre. François Bito. Parce que, sauf faire son arrêté, et qu'on dit, et depuis le président a mouru, ah, en fait, peut-être qu'il n'a pas dit mouru, le ça, mais c'est le résultat, c'est résultat que nous jouons là. Le président a mouru et il prend le pouvoir. Eh bien, depuis le président a mouru, ou bien depuis le pas là, et j'ai été comprendre que dans moins de deux semaines, on a réglé la question du kidnapping, parce que Cléa, c'est dans mes liés. C'est nous-mêmes qui décidons, ou bien c'est nous-mêmes qui décidons qu'il en a monté le volume, qu'il en a baissé. Et kidnapping qui a fait là, ou là, ou c'est des kidnappings qui ciblent par secteur. Donc, ils ont un plan, ils ont élaboré. Ils ont commencé son entrepreneur d'abord. Ils ont rentré dans l'église, ils ont pris un père, ils ont pris un pasteur. Semaine ça, c'est dans le docteur, c'est dans le professeur. Donc, c'est des choses qui sont bien ciblées. Son va être étudié dans le laboratoire d'elle. Même j'ai un laboratoire qui encercle Port-au-Prince. Ce n'est pas joué Timoun qui a joué là. C'est la grande mafia qui a gommé pour yo assurer yo de impunité. C'est la grande mafia qui a gommé pour yo assurer yo que yo continue avec le régime pesé sous ça. Pour continuer à faire l'argent dans la condition que vous y a. C'est la grande mafia qui travaille pour retourner sous pouvoir dans la condition ça. Mais comment avoir des élections libres et honnêtes dans la condition ça? Écoutez, question ça, un pile de monde pose. Et un pile de monde a posé cette question qui s'est venue avant. Est-ce que c'est Zéa ou bien est-ce que c'est Poule là? C'est parallèlement pour tous les deux faits. Parce que je veux dire, Monsieur Ariel très confortable. Ah oui. Sur un boulevard devant. Mm-hmm. À l'aise. Parce que chaque fois l'insécurité a pris un volume, c'est chaque fois qu'on approche un monde qui dit que l'élection n'est pas possible. Donc il faut que nous mettions pression pour que capable de gagner une sécurité minimale qui est établie pour aller vers des élections acceptables. Et est-ce que vous pensez qu'à un vote de rejet pour les gens qui sont au pouvoir et de rejet pour les gens qui sont qualifiés tout à l'heure de belle question. Ah! Dans le pays ici, de côté, il y a beaucoup d'acheter vote. Ah! Qui t'a ajouté l'élément ça. Permette-moi de Robertson que. Mon cher, si pas t'a gagné un vote de sanction qui t'a baillé dans l'élection ça, et je pense que le peuple haïtien t'a pris entrer dans Guinness Record comme peuple qui pire misère. Comme peuple qui pille la reconnaissance à criminel. Et nous ne pouvons pas connaître qui monde le peuple a choisi. Parce que le peuple est libre pour le faire choix. Mais nous sommes sûrs que ou même qui regardez là, vous n'êtes pas capable de choisir un bandit légal encore. Ou même qui regardez là, vous n'êtes pas capable de choisir un criminel, kidnapper, drogue dealer, voler l'argent plutôt au Caribe. Non!
Pati sa, mwen sûr de li. Ma mette tout 10 doigt sa yo net nan un flamme di fe. Ou pa yon sou peuple haïtien ke le pap? Mwen parie sou peuple haïtien. Mwen parie sou nou. Nou pa pren bandi légal nan tèt pouvoir. Sécurité, c'est l'autre thématique n'a pas abordé avant nous à parler de l'économie, du renchérissement prio à cause de la guerre en Ukraine. Et commencement mars, le 6 mars, vous font tweet ou dit après visite moi hier dans le commissariat Omega, Kafou, pour me porter support moral par la police Haïti, nous qui dans la guerre contre gang, m'a relancé appel pour peuple là pour te coller gens capable contre insécurité. Défendre tête nous, famille, pays, avenir nous, nous pas bailler, de même hier sur route pour venir. Et où sont évoqués là, mon gros, un petit détail. Défendre tête nous. Ça veut dire qui ça? À côté de détail sur le moment là. Le droit à la vie, c'est un droit sacré. Droit pour respirer, c'est un droit sacré. Droit pour dormir, c'est un droit sacré. Et je dis, yo pas permettre peuple là droit pour respirer. Yo pas permettre peuple là droit pour dormir paisiblement. Yo pas permettre peuple là vivre. Ouais là, le c'est Jacques Pierre Paul yo prend autant des paroles en pile. Mais nous pas connait combien moun non k'ap mouri régulièrement chaque jour. Ah, en silence. En silence, il a fait génocide ouais qui a fait là. Donc défendre tête nous par tous les moyens qui à la disposition non et qui légal, c'est un droit sacré que lié. Nous-mêmes dans RDNP, question sécuritaire là, nous déjà dit, nous déjà expliqué qui vision nous de lui-même. Il y a un pile monde qui c'est des compétences qu'il a qui peut venir mettre viande sur squelette là. Permettre moi faire des personnalités. Sur par exemple mon dans pour Ashley Lark, tu as parlé de questions qui gagne revoir à sécurité souvent. Souprend un monde tant que professeur James Boyer la parler de questions de sécurité souvent quand pile l'autre monde monsieur Delva qui a parlé etc. toute compétence ça yo pral réunir pour yo mettre viande sous vision que nous gagnons qui pour combattre insécurité et dans RDNP nous même nous résumer question ça à une vision simple pour même qu'a regarder m là capable tendre et comprendre. Nous relèl NCS. N, c'est nettoyage. Tu as des gens là, belle. Très bien. Ouais, j'ai la propre parce que nous assurons que pas un fatra là-dedans. Nous assurons que chez eux, qui c'est chez pas belle chez haïtien fait là, et bien pas un pinaise qui est dans chez là. Donc, il faut que nous mettions main ensemble. Pour nous sacler terre. Parce que faut que terre propre pour nous capable sacler, pour nous capable planter, ça nous a besoin de mettre dans terre. Parce que tout le monde connaît les gamins dans un caille, il faut flitter pour qu'ils dormir en paix. Donc nous-mêmes, nous clairs et nous assumer que nous avons besoin d'un grand nettoyage. Parce que ils disent nous sommes fort sceptiques, pas vrai? Et bien, moi, je dis, c'est un président, une autre puissance qui dit Haïti sont faux sceptiques que lui. Eh bien, faux sceptiques là, plein. Il faut nettoyer. C'est le contrôle. Contrôle là, vous dit qui ça pour nous? Lui, vous dit que l'on a gardé ligne frontalière, nous. J'en ai vide. Qui c'est avec la République dominicaine que nous coller ensemble avec lui qui c'est avec voisin nous Jamaïque sous la mer ou mais qui c'est en l'air pas gain aucun contrôle du tout que sur frontière nous maintenant des responsables au plus haut niveau qui dit que yo identifié moun k'ap financer gang et ben si yo identifié moun k'ap financer gang ça veut dire que l'argent vont côté le passé. Premier ministre fait déclaration, ça, ministre justice a fait déclaration, ça récemment. Effectivement, premier ministre fait déclaration que identifie mon cap financer gang. Ministre justice fait déclaration, identifie mon cap financer gang. Ministre justice ça, ambassade américaine coupe visa parce qu'elle n'a trafic d'armes, parce qu'elle n'a gang.
m'a diminué justice là, ou elle était identifié pour tête tout. Premier ministre là, ou identifié pour tête tout. Et jusqu'à ce que je ne parle pas la voix, il était par ministre justice là, ministre intérieur, ministre défense là. 24 à 48 heures de temps pour démissionner. Si vous n'avez pas démissionné, il y a force de démissionner parce que l'ambassade américaine demande ça. Jusqu'à présent, nous pouvons démissionner. Parce que vous connaissez que depuis que vous avez il y a marré le ministre justice là. Parce que monsieur, dans exactement, et dans l'archive de CPJ, il a veillé qu'il est pour chapeau au ministre Sassou Soudol pour mettre code dans le bras comme kidnappeur, comme assassin, comme trafiquant d'âme qui est tout allié dans la prison que je ne parle pas la voix là. OK? Ça dit son gros dossier. La situation complètement dégénérée. Et nous avons assassinat, il y a peu de faits, pour comme si nous avons fait diversion. Tu as des gros mouns dans le pays, débarrasser le pays, des citoyens paisibles, pour quitter les criminels là. Engager le pays de toute qualité criminelle qui est capable d'exister, pour garder comment tu travailles, jeunes, les forces militaires étrangères, pour venir protéger dans le pays. Et Jean-Baptiste fait intervention ça, nous devons comprendre. Mais quelque part, il faut qu'on pose une question. Par rapport avec la diversion, le commissaire gouvernement fait là, est-ce que. Ce n'est pas quand c'est fait que vous avez fait pour Ariel Henry. Est-ce que Badjo n'a pas aidé pour remplacer tout Eric Jean-Baptiste avec le secteur privé? Est-ce que Badjo avec l'équipe qui retourne vite l'homme, qui n'a gang vite l'homme, qui a lié GPEP, avec des petits macaques, tout ça, est-ce que Badjo avec l'équipe n'a pas tout Eric Jean-Baptiste pour oligarque corrompu et qui n'a pas en place là? Parce que Eric Jean-Baptiste est un élément gênant depuis longtemps pour les oligarques corrompus et un élément qui est extrêmement gênant pour les politiciens qui n'ont pas pouvoir politique là. En avance, Pepe Haïtien. Gon côté le passé, donc faut qu'on contrôle qui mette un système financier nous, faut qu'on contrôle qui mette un système douane nous pour nous connaître gang qui a cravate, comment yo passe les armes yo bay, comment yo passe munitions yo bay. Donc faut gagner contrôle qui mette dans pays a. Est-ce là qui c'est social pour nous-mêmes. Écoutez, on pas capable de quitter usine qui a produit pauvre là, continue à marcher à plein rendement comme ça, non? Pour toute la journée, on en nettoie et sacré, non? Très bien. Gros parole, monsieur dit là. Usine qui a produit pauvre là. C'est là l'attaque au Liga Compio, juste dans zo. Industrie qui a produit malheureux, malheureuse là, qui a produit pauvre là. Faut que nous stoppions usine ça, faut que nous démantelions, faut que nous éradiquions usine ça dans le pays. C'est-à-dire, on va parler directement avec l'oligarchie pour y sentir. Automatiquement, on va mettre un frein dans l'usine, ou du moins, ou attaquer l'usine qui a produit pauvre, qu'on a dit qu'on va démanteler les boulots dans le pays, définitivement. On va démanteler les ventes dans le pays. On va démanteler les bossons, les conventons, les dragons, les bidjos, les acras, les meuses. Dans le pays. Eric Jean-Baptiste, bravo, mon cher. On te dit ça, papa, ici, encore une fois. Que c'est social pour nous-mêmes. Écoutez, on n'est pas capable de quitter l'usine qui a produit pauvre là, continuer à marcher à plein rendement comme ça, non? Pour toute la journée, on en nettoie et sacré, non? Il faut que le service soit capable de arriver à joindre mon yo. Soins de santé, il faut que les arriver à joindre yo. Éducation, il faut que les arriver à joindre yo. Permettre que mon yo soit capable de manger. Pas manger, qu'on va mettre dans l'assiette, parce que ça n'a pas existé, puis on met à manger dans l'assiette. Bon Dieu, même d'où tu mangeras à la sueur de ton front, mais créer opportunité qui pour permettre mon joindre un travail, pour être capable de manger. Et bien, c'est rôle l'État, oui, pour créer conditions pour ça. Mettez bon gens conditions pour que les policiers, nous, yo, avec les moyens qu'il faut, capable de travailler. Sous permettre moi, son état à Samsung pour la police, c'est presque dans tout commissariat, nous net ces mêmes situations. À terre, sous carton, policier abdomen. Il y a des commissariats qui n'ont pas accès du tout à de l'eau potable. Du tout. Moi, nous arrivons dans un commissariat, il faut sceptique là, à ciel ouvert. Eh bien, au minimum qui pour faire. Nous habitués. Qui fait des belles bagailles déjà. Par exemple, nous avons gagné la cité militaire, qui était là, nous qui nous avons fait déjà. Nous avons gagné, en plus de la cité militaire, nous avons gagné l'hôpital militaire que nous fait déjà, qui est là. Je ne vous dis, comment on peut comprendre que un policier, leur fait une victime sous champ de bataille pour le peuple là. Et puis, il est presque dommagé
parce que l'Elfine fait première opération dans l'hôpital Bernard Meuse, que nous avons félicité pour gros coup de main qu'il a porté bail. Après ça, il a lagué pour contrôler. Suivi par la fête. Si ce n'est pas un bon prochain qui passe, mais prenez, il a tout, il bon magique. Donc, il faut que, au point de vue social, que l'État réunit toute entité qui peut permettre nous d'avancer. Parce que l'insécurité que nous vivons là, ce n'est pas la police pour contrôler, qui a pas le résoudre. La police, c'est le dernier maillon. Donc, il faut que l'autre instance prenne responsabilité pour résoudre la question. Maintenant, défendre toi, si vous comprenez bien, son appel à l'autodéfense. C'est appel à une vraie mobilisation contre gang yo, ou tu as dit là tout à l'heure là son laboratoire qui permet que Port-au-Prince aujourd'hui en encerclé, ça cap passer Matissan, ça cap passer quoi des bouquets, ça cap passer Canaan, donc zone métropolitaine Port-au-Prince assiégée, donc faut une mobilisation sur ça et faut gagner des moyens que société a été pour gommer contre contrebandier yo. Là, que c'est au niveau de la frontière ou au niveau des ports, estimation, fait, c'est presque 600 à 800 millions de dollars américains que contrebande fait pas rentrer dans cet état. Près de milliards de dollars. Et c'est une organisation, c'est des gens qui ont des gros positions, dans le secteur privé, dans l'État, qui bon système, ça a organisé, qui a produit pauvreté. Il faut que nous parlions à tout, pas la population pour l'Ouest, il a détricoté le système. Ça. Ces populations, même, le Chita, le TAP fait échange ensemble avec eux, c'est ensemble que 2 millions d'idées que nous besoin. Nous besoin 2 millions d'idées, nous besoin de venir pour bailler l'idée par eux. Nous prenons dans tout le pays, dans tout le primaire là, nous prenons installer des boîtes à succession dans tout le pays. Pour moun yo mettre l'idée. Nous pourrons rencontrer chaque grand monde. Pour moun yo écrire l'idée. Nous avons besoin de 2 millions d'idées. L'idée pao. Pour ou même ou contribuer dans bâti nouvelle société. Bâti kay que nous rêvons pour Haïti. Donc, il faut que nous parlions. C'est ça que lié. L'idée bataille qui pourrait mener pour nous contrôler. Gang qui a cravate. Parce que gang qui a cravate, ils ont toujours gagné filière, oui. Ils ont toujours gagné quoi. Et dans quoi, peuple a connu quoi. L'on prend, avec tout respect, comme nous avons pour douanier, nous, au contraire, que nous-mêmes, nous prenons dans le programme, nous parlons qu'aucune réforme qui n'a pas le fait. Et dans toute grille, ma salariale, l'État, c'est-à-dire qu'on réforme qui a bien pour faire. Pour mon yo toucher bientôt, pour yo cap bay résultat. Mais n'a pas mette volet en bas contre tout, ça li clé. Ok? Mes paroles politiques là, qui fait ou manger, monsieur. N'a pas mette volet en bas contre tout. Évidemment, monsieur pas joué avec volet. Nèg yo, tout ça n'est pas fait pour Éric Jean-Baptiste, comme si m'a dit pas parler de bagay comme ça. Éric Jean-Baptiste, d'où li pap deal avec volet, depuis si volet ou yé, ou doué en bas contre tout. Ou doué mourir, ok? Et je vais dire, depuis ces volets, ou pas, qui doit vivre, ou doit mourir. Mais c'est ça exactement qui cause toute la politique qui est pour l'avec Éric Jean-Baptiste. Parce que l'on a déjà des moyens. Déjà. Il rentre dans la politique. L'action sociale qu'on a fait dans tout le pays vient permettre qu'elle ait une popularité énorme. Il n'y a pas de problème pour manger. Il n'y a pas de secteur privé pour manger. Ce n'est pas prêt pour manger tout. On continue de t'attendre, pas ici. Poignée. Cap touché 20 000 gouttes, 25 000 gouttes. Et Bola Kayo le rete. Ou elle avec une uniforme dans le sorti chaque jour. Et vous, monsieur, gon kay qui vaut 200 000 dollars américains. Non, faut que nous parlions. Faut porter l'idée bail pour dénoncer monsieur. Non, faut que nous parlions. Faut porter l'idée bail pour dire comment vous marie monsieur. Les paroles là. L'entrée dans ça, c'est même, et ça, quelque part, président Jovenel Moïse te fait. L'entrée dans ça avec Jean-Baptiste, ou pas qu'à marcher avec un grand comme sécurité. Ou pas qu'à marcher avec une machine blend niveau qui blende à niveau 4. Ou supposez que vous machine de vos machines d'ailleurs. Et machine où y est même blende à niveau 6 au maximum, au minimum. OK? Et vous gain ou gain deux machines d'ailleurs qui red avec garçon full zam et pour sécuriser tête parce que sont millionnaires. Logue l'argent ou gauche tête tout. Au moins, laissez-moi plus ou moins assurer la sécurité de l'autre monde qui est dans la zone de la caillou.
Monsieur, ou, franchement, on avance. C'est que faut bailler l'idée ça, il faut dénoncer, faut dire mais ça qu'a passé. Donc, si la population prend en main projet ça, que le participer lui-même en dedans projet, c'est le ça on va pas gagner. Ça nous relie sur ce collectif, nous avons parlé au début, pour nous capables de lever ça. C'est tout ton culture à évoquer là. Ici, il y a la petite corruption, il y a la culture de la corruption, il y a, ah, monsieur, c'est notre job là, ça a l'air pas gros, mais il y a un roulement. Roulement, c'est bah, à côté, ah, que les gens qui sont considérés comme un bah, qui normal. Monsieur, c'est dans tel job là, monsieur, sorti, monsieur, pas qu'on goûte, monsieur, c'est un salope. Monsieur, là, monsieur, levé à terre, monsieur, intelligent. Nous parlons de quelque chose qui vient des ancrages, je t'ai dit à la limite, qui est pratiquement culturel, Éric Jean-Baptiste. Comment s'attaquer à ça? Monsieur Alphonse, c'est l'éducation. Faut que nous soyons capables de permettre que la télévision nationale, la radio nationale, les médias soient capables de diffuser des bagailles, des programmes qui pour sensibiliser masse-là. Il faut permettre que si les gens à l'école, grâce à la technologie, à jour et jour, ils sont capables de gagner des salles côté que le numérique là à présent et que gagner un programme qui a passé de citoyenneté. Pour tout le monde, garder. Même les gens qui ont l'idée qu'il y a pour tout le monde même uniforme, pour tout le monde qui a un livre unique là, il faut que l'école nous ait jour et jour à apprendre si les gens ont citoyenneté. Parti ça que vous dites, c'est l'éducation, c'est responsabilité PAM, c'est responsabilité POU, c'est responsabilité PAM, nous toutes ensemble, pour nous faire éducation peuple là. Pour nous apprendre que, écoutez, intelligent, pas veut dire voler. Parce que là, on t'y jeune rete, et puis, modèle li, li ouè nan communauté a, ou nèg, qui te gon bicyclette, ou mèk pas de gran rien du tout. Le même matin, nèg la rentre nan politique dans moins de 4 ans ou dans moins de 5 ans. Monsieur gardez le web, il a un gros caille, il a une belle auto, il a tout ce qui est là. C'est ça que le modèle parle. Il y a aussi dans la société noire. Pas de punition, tout. Pour une société sans sanction, mais il gagne au fil des ans et construction de représentation de criminels. Je dis alors, regardez que c'est. Sur TikTok ou d'autres réseaux sociaux, ou à regarder les criminels, quand c'était des gens qui ont suivi ou qui ont fait live, quand c'était des followers, quand c'était des gens qui ont interaction avec eux, quand c'était des gens qui ont blanchi comme eux, qui ont business avec eux, c'est des gens qui, entre guillemets, ont une certaine respectabilité ou un soupçon de respectabilité dans la société. Donc la chose est très, très, très profonde et à la limite, attraction ça qui criminel yo gagne par rapport à leur personne qui prend tête pour des vrais stars quelque part madame monsieur pas un mimétisme est-ce que mounio c'est pas tête yo y a regardé à travers eux même ou bien est-ce que c'est parce que gon crise de la représentation de l'État de la représentation de gens de bien dans la société à des universitaires des monde correct pour mettre le très simple qui pas bien fait que y a là on d'accord avec d'accord ensemble avec vous, vous avez une bonne lecture de ça que, qui a passé dans la société. Mais là, après la tête que l'État a poisson, c'est dans la tête qui commence à pourrir. Qui ça, ministère de communication, a réglé? Qui ça, ministère de culture, a réglé? Qui monde qui a contrôlé, qui contenu, qui a passé, qui a véhiculé dans les médias? Qui est instance dans l'État cap contrôler qui ça cap passer sur internet là. Gen des pays qui contrôler ça cap passer. Bon série de messages ou ka voyer sur WhatsApp aller pays a pas quitter l'aller. Parce que il estime que message ça, image ça que ou voyer, c'est une image qui pas correct. Et gen des instances même qui là cap veyo. Gon côté qu'on monter, ou commencer fichier ou gon type de vidéo que ou regarder, ou commencer garder tendance ou qui instance nous gagne dans l'État qui a réglé ça aujourd'hui. Aujourd'hui, il fait 11h du matin. C'est malheureux. Monter sur quelques chaînes de télévision. Lorsque monter sur quelques chaînes de télévision, aujourd'hui, pendant qu'on a parlé là,
à 11h qui est du matin, c'est des films extrêmement violents qui ont passé. Effectivement. Des gens qui prennent drogue et puis ils montrent aussi eux-mêmes qui sont boss là. C'est des films à caractère pornographique. Longtemps, les gens qui ont regardé la télévision, deux mon abou, c'était tout viré. Même sous vêtements, pas de temps, souligne. Jodi, sous réseaux sociaux, n'a pas gardé député nous, sénateur nous, qui a fait des gestes pornographiques. Bon, nous t'es monté balanti, j'en level la pire haut, au songe dernier président, avant dernier président que nous t'es pris. Mais c'est des gestes pornographiques extraordinaires que mon travail a fait. Et c'est vous-même qui modèle là, l'État qui te l'a passé. Donc, c'est pour la population, hein, n'a retourné encore à Fok nous parler, pour vous-même 2 millions l'idée que nous besoin, pour vous avez l'idée sur comment nous allons résoudre quelque chose. Deux dernières questions sur sécurité avant de parler de l'économie, c'est le dernier sujet, et pas des moindres, parce que nous avons un bon grand goût. Et pour le ministre, vous avez évoqué la facilité que Bandi joigne pour joindre l'équipement Leto, les armes et difficultés que gagnent pour l'État, mais nous avons posé la question à l'ONU. Il y a des gens dans l'ONU qui disent que non, il n'y a pas d'embargo sur les équipements létaux, c'est-à-dire les armes et munitions pour Haïti. Et pas d'embargo tout au niveau du Canada, mais c'est difficile. Mais si le gouvernement a demandé, il y a analysé les demandes là, c'est également le cas pour la France, c'est ça des représentants pays sérieux. Dis-nous, dans une loi budgétaire pour exercice ça aux États-Unis, M. Biden a annoncé qu'il y a des COP à Haïti, mais COP n'a pas le droit de financer la paix d'Haïti, mais il a aidé les gardes-côtes haïtiennes à acheter des services de défense. Sur la question de l'armement de la police nationale d'Haïti, des FADH, pour renforcer leur capacité opérationnelle, pour ne pas courir pour bandits, pour que l'État soit le vrai détenteur du monopole de la violence. Qui action vous pensez qui mérite cette? Chaque fois, m'entendez, il y a parlé de l'armée, et puis m'entendez l'autre nation à opiner sur question ça. Moi, c'est moi-même qui rimerai. Moi, t'as fait rimerai. Parce que en 1804, nous pas demandé à quel monde autorisation pour nous sortir en bas chaîne que l'esclavage. Nous pas gagné tout pour nous demander des monde pour financer et faire un cadeau matin midi soir financer l'armée non financer que la police non très bien 1 million comme ça m'a parlé bravo franchement et m'a pas menti et ou capable de sauver de Éric Jean-Baptiste mais effectivement son nègre quel que soit nègre militaire dans le pays d'Haïti. Avec Éric Jean-Baptiste, il y a un espoir pour l'armée d'Haïti, bel et bien existé pour tout le monde. Il y a un caractère militaire, il y a une forme dans la mode de fonctionnement, il y a plus tôt, habillement, monsieur, tout ça, il faut son garde, vous comprenez ça, M. Jolan, son équipe de militaire. Et en fait, ça a dérangé les oligarques corrompus, ça a dérangé les assassins criminels, et ça a dérangé les blancs, tout, parce que pas n'y a pas un pays là qui t'a remis pour nous l'armée. Parce que quand on est haïtien, depuis nous avons nous gros âmes, et bien pas nous mentir pas nos problèmes. Ça veut dire que pour les États-Unis d'Amérique, nous pas jamais gagner l'armée, nous pas doué gagner l'armée. Haïti te signe ça pour Haïti faire écraser l'armée d'Haïti, et bien nous pas gagner l'armée, nous pas posséder ça encore. Nous supposons pas gagner système de défense du tout pour nous laguer comme ça, faut que blanc toujours né, qu'a réfléchir sur ba nous sur de ba nous aide militaire, les laguer pile les âmes dans pays avec oligarque compi yo, pour ba nous aide militaire pour gérer tête nous vinn ba nous calmement, après ça pour laguer gang encore, vide ba sur nous encore. Nous pas gagner l'armée. Je dis, m'a dit nous avons une solution. Seul moyen pour nous sortir de ça que nous trouvons là, pour nous suspendre bêtises avec nous, c'est filer manchette nous. Commencer à racher politiciens. Racher les gars corrompus, qui ont des âmes dans le pays, qui ont des bandits qui ont kidnapping. Commencer à racher au pack en pack. Foutre manchette sur eux, et puis là, nous ne pouvons pas délivrer dans le pays. Parce que nous sommes méchants, nous sommes criminels. Qui fait que nous avons des bêtises avec nous comme ça? C'est parce que nous sommes dans le pays. Qui a fini avec un pays. Qui a aidé à créer la médaille d'Haïti. Un petit groupe criminel. Qui sont juste au Liban, la Syrie, vient prendre contre l'économie du pays. Pouvoir politique à la main, parce que nous devons rester avec. Des choules qui sont politiques, qui mettent au service. Je dis à vous-même, comprendre bien. Nous avons nécessité pour nous éradiquer M. Sor dans le pays. Il n'y a pas qu'à vivre dans le pays, parce que vous pouvez que vous parlez maintenant.
Yo prouvé que yo pas jamais vraiment comme haïtien. Ouais, yo a dit ensemble avec yo. Pour qu'ils soient tolérés yo. Ou accepter pour comme si pour fonctionner là. Yo pas aimer nous comme monde. Il va considérer nous comme monde. Et nous devons éradiquer dans le pays. Parce que c'est des criminels nous qui nous sommes. Nous n'avons pas un pays sur la terre qui a un peuple qui vit dans la condition que nous vivons là. Jamais. Et puis, nous n'avons pas gagné écrire du tout. Nous n'avons pas jamais mourir. Nous avons bêtisé avec nous. Papa, ici, les yeux. Rendez-vous après-midi pour un gros bout de notre émission live sur la plateforme YouTube et Foubeto. À partir de 6h PM, 6h boule, avec Stanley Lucas. Nous allons connaître Kishoy, dans le dossier assassinat avec Jean-Baptiste. Nous avons mené une grosse enquête sur le chef gang Saouli Edouard Bossan de Unibank. Calézien, moi-même, je m'appelle Info Beto. Kébé là, après-midi.